La SNCF fut jadis une grande société publique. Elle se trouve désormais soumise à l'impératif de rentabilité qui l'amène à privilégier les trains à grande vitesse, gros consommateurs d'énergie, la mise en place de dispositifs publicitaires animés, comme les panneaux défilants ou les écrans lumineux, dits LCD, etc., également gourmands en électricité. En France, l'électricité est issue des centrales à charbon, pour une petite partie, et du nucléaire, pour l'essentiel. Jamais à court d'idées pour verdir des pratiques qui ne le sont pas du tout, les experts en greenwashing de la SNCF ont introduit dans plusieurs gares des Webikes. On peut donc désormais pédaler pour recharger son portable. Bonjour. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis en recharger mon téléphone. Moi je pense que c'est bénéfique pour le corps humain. Le corps humain a besoin de faire du sport et là c'est approprié pour tout le monde. Adultes, enfants, tout ça. Tout le monde peut charger son téléphone dans la gare du Nord. Vous pédalez et ça charge. Il y a du matériel à l'intérieur que en pédalant, il y a les frottements qui créent l'énergie mécanique qui se transforme plus tard en énergie électrique au niveau de la prise. On n'utilise pas l'énergie nucléaire, quoi. Ouais, justement. On n'a pas d'énergie nucléaire. Ben merci pour ces infos. Donc vous êtes électricien, c'est ça? Et j'ai la chance de tomber sur vous. C'est moi qui vous remercie. Et vous ne faites pas partie du personnel SNCF? Non. Pas du tout.